Francky? Oui, Joe. Tu sais qu'il est 3h du matin? Bah ouais, je sais. Et tu sais ce qu'ils font les gens à 3h du matin? Ils dorment. Et ben moi j'aimerais bien dormir, Francky. Être ami avec toi, c'est génial, hein. C'est pas ce que je dis. Mais c'est très contraignant quand même. Hein. Oh, tu devrais être content, je t'ai ramené ta voiture. Ouais. Ça aurait pu attendre demain matin, ça, non? Bon, écoute, Joe, on est amis, hein? Bon. T'imagines bien que si je te fais sortir du lit à cette heure-là, c'est pas pour de la merde. C'est que j'ai besoin de toi, Fissa, pour un truc important. Hein? Bon, bah évidemment, si je peux pas te demander de me suivre sans poser de questions simplement parce que je te le demande en tant qu'ami, c'est quand même triste. C'est quand la dernière fois que tu m'as rendu service, toi, Francky? C'est quand la dernière fois que tu m'as demandé? Oh, c'est petit, ça. C'est petit. Ah ouais. En tout cas, ça me dit toujours pas pourquoi je suis là. Ah non, j'ai un truc compliqué à te dire. Voilà, bon, je sais qu'on a rarement ce genre de discussion chiante, mais... Et voilà, faut que je te le dise... Ma femme me trompe. Ah bah, merci pour ces belles paroles. Si, merci. Ah oui. Je sais pas quoi te dire, moi, Francky. Je sais pas comment réagir dans ces moments-là. Si tu veux que je te dise, là, ça va aller, hein? Ça va aller, c'est pas grave, c'est rien. Hé, hey, t'es pas encore un vioc, hein? Des meufs, y en a plein, hein, c'est pas le problème. Oui, bon, bah ça va, ouais. Ça va, là, hein? D'accord. Mais du coup, tu sais qui c'est, hein? Comment tu l'as appris? Tu l'as chopé? Moi, si tu veux, tu me dis, hein? Tu me dis. Je l'attrape, je le défonce. T'as qu'un mot à me dire, Francky, tu le sais bien. J'y vais, je le fume. C'est quoi Café Bong? J'ai fait une grosse bêtise. La vache! Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce bordel, Francky? Bah, tu te rappelles tout à l'heure quand je t'ai dit que ma femme me trompait. Oh non, non. Tu te fous de moi, Francky? Dis-moi que c'est une blague. Me dis pas que c'est ce que je pense. Mais je sais, c'est la merde. Mais je pensais qu'il était mort, moi. Attends. Comment ça, tu pensais qu'il était mort? Oui, non. Non, parce que, non, mais le mieux, c'est que je t'explique. Ce type-là, moi, je l'ai surpris au lit avec ma femme, alors je l'ai pourchassé dans toute la maison. Il sautillait pour se barrer comme ça. Il s'est cassé la gueule tout seul dans l'escalier, j'ai cru qu'il était mort. Putain, mais c'est pas possible, mais pourquoi tu l'as foutu dans ma caisse alors? Ah, bah ça, c'est pas compliqué, c'est pour que tu m'aides. Ah, t'avais prévu que je t'aide. Tu voulais que je bute un mec avec toi, mais Francky, t'es malade. Ah, non, je t'arrête tout de suite. Non, pour moi, il était mort. J'avais tout prévu. Regarde. Tu vois, j'avais tout prévu pour l'enterrer. Mais qu'est-ce que tu parles de l'enterrer? Il est même pas mort. Oui, non, mais ça, je sais. Non, mais ça, j'avais pas prévu, ça... Ah oui, je vois bien. Non, moi, je vois qu'une solution. Va falloir que tu t'en occupes. Mais arrête avec ta merde, là! Comment ça, va falloir que je m'en occupe? Bah oui, dans la voiture tout à l'heure, tu m'as bien dit que si je te demandais, t'étais prêt à le choper pour le défoncer. Mais t'as pété un plomb, quoi. Tu te rends compte des conneries que tu sors? Puis je vais pas le tuer, moi, je le connais même pas. Ça fait le Joe. Puis je vais tuer personne, moi, je suis pas un tueur. Puis on tue pas les gens, c'est nouveau, ça, Francky? Comme toi. Comme moi, quoi? Joe. Oui, attends, Francky, c'est éprouvant, là. Vas-y, fais une phrase, pour voir. Eh ben, Joe. Tu me demandes, je te dis qu'il s'appelle Joe, comme toi. Ah, d'accord, ouais. Ah, voilà. Et ça change quoi? Hein? Eh ben, je... Ben, je sais pas, moi, tu me demandes, moi. Oh, et puis merde. Franck, si c'est moi qui avais baisé ta femme, tu m'aurais foutu dans un coffre aussi? T'as baisé ma femme? Non, j'ai pas baisé ta femme, j'ai dit ça, c'est voilà, c'est un exemple, c'est pour te montrer que c'est pas bien. T'as baisé ma femme, toi? Francky, tu fais chier, on libère! Bon, monsieur, vous êtes quelqu'un de sensé. Non, mais c'était pas une question, réfléchissez pas, vous êtes quelqu'un de sensé, c'est tout. Bon, vous avez pris du bon temps avec sa femme. Ouais, bon. Il y a eu une petite frayeur malencontreuse. Oh, bah, tu parles de frayeur, oui. Mais si on vous relâche,
Hein, si on vous relâche, on en reste là et c'est bon. Hein, et puis il finit les conneries. Non, mais attends, il a quand même couché avec. Ah! On va vous sortir de là, monsieur. Frankie, c'est quoi ce truc-là? Sauf si c'est fringue. Mais c'est un flic. Mais ça change quoi? Mais ça change tout. Mais si c'est un flic, Frankie, t'inquiète pas qu'il va nous dénoncer et qu'on va finir en cabane. Et là, tu vas pouvoir dire adieu à tes petits costumes trois pièces. Hein. Et je peux t'assurer qu'avec ton vieux moustache mulet, là, tu vas pas passer inaperçu et que l'infidélité de ta femme, ce sera le dernier de tes soucis, pauvre con. Hein. Non mais attends, viens, j'essaie de comprendre là. Parce que si c'est un mec normal, tu veux le libérer, mais parce que c'est un flic, il faut le buter? Eh oui, parce qu'il va nous dénoncer. Regarde. Ah oui, non, bah alors là... Monsieur, si on vous relâche, vous allez nous dénoncer. Vous allez nous dénoncer. Tu vois, on l'a dans l'os. Non mais attends, mais tu t'attendais à quoi là? Que ce soit un flic ou pas, ça reste un mec en caleçon attaché dans ton coffre qu'il va falloir aller enterrer. De toute façon, il nous aurait dénoncé. Putain, ça fait chier, on est niqué, on est obligé de le faire alors. Tu veux le tuer? Non, Frankie, inverse pas les rôles. C'est toi qui veux le tuer, d'accord? Moi, je voudrais être dans mon lit, merde! Mais on fait quoi, du coup? Bah, je crois qu'on n'a pas le choix. Vas-y, vas-y, tu veux, ferme ta gueule, vas-y, je te dis, vas-y, allez, vas-y, mais tu veux, j'arrive, voilà, ça fait couille, hein. Marche pas, c'est de la merde. Ah, ah, excuse-moi, Francky. Ma bite. Ah, je suis désolé, Francky. Excuse-moi, vieux, ça va. À ton avis, connard. Mais pourquoi tu m'as tiré dessus? Je sais. Putain, mais c'est pas sur moi qu'il fallait tirer. Je sais, le coup est parti tout seul. T'es vraiment le dernier des gitans, toi. Attends, laisse-moi regarder. Mais t'es complètement con. Pourquoi t'as fait ça? On tire pas dans la bite des potes, connard! Oh, quelle merde! Oh, mais non! Oh, le bâtard! Joe, il se barre! Mais regarde, il se barre! Putain, mais t'attends que mes couilles repoussent pour y aller ou quoi? Frankie, si j'arrive pas à attraper un pauvre moisi qui sautille au milieu d'une route de campagne, je suis vraiment le dernier des cons! Mais où est-ce que je vais là? J'espère que tu me leur vaudras, vieux sac à bain. En attendant, quand c'est pour aller chercher des mecs en calbut, c'est pour ma pomme. Allez, viens, toi, viens! Contre-pierre et il bouge plus. Qu'est-ce que je fais? Bah,
tu respires ? Ah ouais ? Il respire pas ! Bon bah ramène-le ! Ah ok, d'accord. T'as mal, hein? Oh, elle déconne pas. Ah, ça va, t'as pas perdu grand-chose, hein? Si t'étais si efficace que ça, ta femme, elle aurait eu besoin d'aller voir ailleurs? Mais arrête, qu'est-ce que connerie, je te dis, je te parle d'un truc important. Ce qui me fait vraiment peur. Comment je vais faire pour pisser, moi, maintenant? Je pourrais jamais pisser dans un sac. S'il te plaît. Tue-moi, Joe. S'il te plaît. Tue-moi, Joe. T'inquiète pas, Frankie. Je vais prendre soin de toi, mon pote. Tu sais que tu peux compter sur moi, hein? Je sais que j'ai toujours été là pour toi. Je sais. T'es un vrai ami, toi. C'est bien vrai, ça. Mais il faut que je te dise un truc, Frankie. Ouais. Frankie. Ouais. T'as que dalle. Hein? C'est qu'une égratignure. Tu t'es raflé la baloche, pauvre con. Ah. Bon, on voit bien que c'est pas toi qui as mal. Je suis vraiment désolé pour ta femme. T'inquiète pas. De toute façon, elle est moche. Hey. Tue-moi, Joe. Tue-moi. C'est bon, ça. Mais bah, ça va, attends, j'étais paniqué, moi j'ai eu peur. Hein. Oh, mais la gueule que t'as. Ah, ouais, bah... Hey. Je veux pas pisser dans un sac. Ah, ça te fait rire, ça. Oui. Ah, ça, c'est marrant. Ça, tu trouves ça drôle, ça. Ah, ouais. Ouais. Bah, c'est drôle. Puis je te rappelle que c'est moi qui ai le flingue maintenant. Tu veux qu'on soit quitte, hein? Ah, et ça va. Non, mais attends. Attends, tu te fous de moi, Frankie? Tu me fous un flingue dans les mains, hein? Tu veux qu'il se passe quoi? Tu te rends bien compte que j'avais jamais tenu une arme avant, quand même. Alors, et puis après tout ce que tu m'as demandé de faire ce soir. Putain, tu m'as quand même demandé de buter un mec. Alors, on va rester amis. Par contre, moi, je te rends plus jamais service. Bon, en même temps, faut voir le bon côté des choses, hein, parce que aucun de nous deux n'a eu à le faire. C'est vrai. Il s'est buté tout seul, ce con, là. Non, maintenant, heureusement, ah oui. Tout ça, c'est derrière nous, maintenant. Voiture, Franky, putain. Quoi? Mais la voiture, merde! Oui, bah ça va, là, excuse-moi, hein. Ah, écoute, bah oui, mais c'est pas de ma faute. Attends, ça va. Ça s'en débarrasse, moi, jamais. Quand même. Ah, quelque chose, ça.